la bonne heure, le portrait. Chantelly, bonjour. Dites-moi comment un être aussi charmant, aussi empathique et en apparence si gay peut écrire des horreurs pareilles. Non, je veux dire, vous, le petit prince de la littérature, avec votre voix aiguë, votre rire de jeune femme effarouchée. Ah, oui. J'aurais pas dû rire. Votre regard d'un bleu tendre comme une fleur de printemps, on vous donnerait le bon Dieu sans confession, comme à Hélène Gigado, votre héroïne qui a empoisonné pas moins d'une quarantaine de personnes en 40 ans. Ouais, et ben moi, du coup, j'ai pas confiance. Je demande donc instamment à tous les gens assis à cette table de rester bien accrochés à leur café, à leur bouteille d'eau. Ce monsieur Tellet ne me dit rien qui vaille. Si ça se trouve, comme son personnage de Verlaine, il a une fourchette dans sa manche, il va vous la planter dans la main, du sard, ou un flacon d'arsenic dans sa poche, et à la prochaine coupure pub, paf, notre Stéphane, il est pris de convulsions et il décède avec de la feta à la commission des lèvres. Et nous, v'lan, tout le monde à Pôle emploi. Je sais pas vous, mais même si c'est la crise et qu'on a des vies de merde, moi j'y tiens. C'est con, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que déjà, après avoir lu votre livre, on a envie d'empoisonner tout le monde, mais alors quand on l'a écrit, ça laisse forcément des séquelles. Je parle en connaissance de cause, depuis que j'ai lu Fleur de tonnerre, il me vient des envies de meurtre, j'ai failli fourrer toutes les viennoiseries d'RTL à la Morora. Je me reconnais plus. Moi qui suis la gentillesse même, j'ai fait un pèlerinage à la chapelle Saint-Yves de Vérité, dite chapelle de la haine, pour prier pour la mort de quelqu'un. Bon, heureusement, j'ai jamais su prier, du coup ça a pas marché, mais ça a fait cancer quand même. Bah si. En plus, aujourd'hui c'est la mode, on empoisonne tout le monde, il y a du cheval dans les lasagnes et des matières fécales dans les tartes au chocolat Ikea. Tu partages tes une cuisine, tu reviens avec du caca entre les dents, merci. Non mais moi c'est terminé, Jean Tellet, je veux plus lire vos bouquins. Déjà après avoir lu Le magasin des suicides, j'ai pas dormi pendant 2 ans, j'ai pensé qu'à ça. Faut dire, le pitch était très bon. Hein. Sur 150 000 tentatives de suicide, 38 000 se ratent et finissent soit défigurés, soit handicapés. Nous pouvons vous aider, c'est imparable, c'est brillant, c'est mal pensant, on adore. Quand je pense que vous avez des enfants, ah, ça a dû leur plaire, mangez-le si vous voulez. Bah maintenant, au moins, vous avez la paix. J'imagine que c'est pas vous qu'on supplie avant de dormir pour raconter une petite histoire. Raconte-moi une petite histoire. Raconte-moi une petite histoire. Oui, bah une histoire de Jean Tellet avant de dormir. C'est 10 ans d'insomnie, 20 ans d'antidépresseurs. Merci beaucoup. Alors, on dit dans les milieux autorisés que vous avez un souhait secret, mettre tous les ex de votre compagne Miu Miu dans un avion et que l'avion s'écrase. Ah ouais, et après, on dit que vous êtes un type charmant. Je suis désolée, mais moi, j'ai pas confiance. Faut prévenir Julien Clerc, hein, qui surveille toute sa bouffe, qui prenne plus l'avion, ça sent pointu. En plus, vous vous êtes installé en Bretagne, dont on dit chaque pays a sa folie, la Bretagne les a toutes. Ah, il va être bien, votre prochain bouquin. J'ai hâte. Alors, j'imagine que si vous écrivez sur l'horreur, c'est sans doute parce que vous avez du mal à vous familiariser avec l'abominable. Et je doute de fait que l'on retrouve un jour des ossements dans les fondements de votre maison bretonne. Mais peut-être que dans les faits divers bretons, celui qui mériterait un biopic, c'est celui de l'avocat des truands Olivier Messner, retrouvé noyé au large de son île du golfe du Morbihan, qui avait déclaré quelques années avant « Le métier d'avocat me mine, mon vrai bonheur eût été d'être marin et de partir en mer. » Eh bien ça, au moins, c'est fait. Charlotte Desgeorges.